salaud a l'air rudement content de vivre. Minigunner ennemi éliminé. Kropotkin est mort. Ces mensonges ne causeront plus de tort à personne. Je ferai bien de le fouiller. Un enregistrement audio, ça pourrait servir. On engage! Ils sont pas au courant qu'on est encore sur zone free. Ça marche. Je l'ai abattu.
Ok, j'ai neutralisé le processus. Rien n'a été diffusé. Roman, ici Banad. J'ai neutralisé Kropotkin. La diffusion n'a pas eu le temps de commencer. Tant mieux. Dommage qu'on n'ait pas l'occasion de l'interroger. Il s'en sort bien, l'enfoiré. Je sais. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un enregistrement audio qu'il avait sur lui. Écoutons ça. Kropotkin, on va avoir besoin de toi pour diffuser tes activités dès qu'on aura accompli notre mission. La pression publique devrait obliger les États-Unis et leurs alliés à lancer un assaut désordonné contre Sentinel et les Wolves, ce qui donnera aux Godark le temps de disparaître. Un conflit ouvert provoquera la destruction des ressources d'Oroa, en plus de faire la preuve de notre implication. Le pire scénario serait que les États-Unis et leurs alliés soient forcés d'intervenir sur Oroa, ou que la Russie se radicalise encore plus. Du SVR tout craché. Vol de renseignements suivi d'une vague de chaos. Pour eux, les Wolves ne sont que de la chair à canon. C'est peut-être une opération sous fausse bannière du SVR. Ou peut-être qu'une autre organisation est à la baguette. Une organisation qui n'hésiterait pas à incriminer Sentinel et les Wolves au profit d'un plan plus vaste. Détruire Oroa empêchera qui que ce soit d'autre d'utiliser les technologies Skell. Reçu. Nomade terminé.